C'est quelle notoriété tu cherches même que tu n'as pas encore? C'est quoi? Toi, tu dis que tu es au-dessus de 10 000 pasteurs, non? Nous, là, on n'a pas 10 000 pasteurs. Nous, là, quand on fait vidéo, là, il y a 9 vues, il y a 6 vues. Non, on s'en fout, on parle de ce qu'on a l'envie de parler. On dit ce qu'on a l'envie de dire. Un pasteur, un homme de Dieu ne se comporte pas comme tu te comportes là. Un vrai homme de Dieu ne se comporte pas comme tu te comportes là. Ou bien, en parlant de cette fille là, en parlant de cette fille, c'est comme on appelle les vues et puis les cadeaux là. C'est ça. C'est à cause des vues et des cadeaux. Oh, mighty God! À cause des vues et des cadeaux, les lions qu'on vient vous donner là, c'est à cause de ça. Donc toi, c'est-à-dire que tu es entré dans ce combat-là, peut-être c'est à cause de l'argent, mais ce n'est pas de ta faute. Je te comprends. Tu sais pourquoi je te comprends? Parce qu'au moment où tes parents t'ont mis au CP1, on t'a dit d'étudier, tu n'as pas pu étudier. Donc comme tu as échoué, comme tu as échoué à l'école, pour toi, cette petite notoriété-là, c'est-à-dire que quand tu la vois là, pour toi, tu es arrivé quoi? C'est-à-dire que tu as le grade d'un ministre. Mais détrompe-toi, mon ami. C'est-à-dire que tu peux l'avoir. Oui, tu peux l'avoir. Cette petite gloire-là, Dieu peut te la permettre. Mais quand on regarde dans ta tête-là, on voit que ta tête est vide. Tu n'as pas un raisonnement. Un homme qui passe tout son temps à dire des grossièretés, pour moi, tu es comme une cloche. Tu raisonnes que de raisonner. Oui, mais un homme, un vrai homme, raisonne, Makoso. Pourquoi tu es rentré dans cette bassesse-là? Tu allais te réduire jusqu'à ce point-là. À cause de quoi? À cause de vue. Parce que tu devais te relancer. Parce que tu commençais à perdre une cote de popularité. Mais c'est grave. C'est grave. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth fait foule là où il n'y a pas de foule. Jésus-Christ de Nazareth fait foule là où il n'y a pas de foule. La Bible déclare qu'ils étaient 12 dans la chambre haute. Après, ils sont passés à 120. Mais à la troisième heure, ils sont devenus 3000 personnes converties. Tu as compris? 3000 personnes ont été converties. Dieu n'a pas besoin de bruit. Dieu n'a pas besoin que toi, Makoso, tu fasses un effort de toi-même pour te révéler au monde. Tu penses que Catherine Kuhlman, tu penses que Osmond Bon, tu penses que, comment on appelle, Benny Hill, ils ont fait du tapage comme toi tu le fais pour être reconnu au monde? Non! Non! Ils sont restés dans la consécration et dans l'intimité avec Dieu. Quel est aujourd'hui, là, si on te demande, Shalom, Dame Su, aujourd'hui, là, si on te demande, quelle est ton intimité avec Dieu, toi-même, tu ne sais pas. Et quand tu te dis, oh, moi, je délivre les gens, oh, moi, je donne prophétie, oh, moi, je peux fermer ton ciel. Makoso, qui es-tu? You be you pour fermer le ciel d'une personne. Écoutez-moi bien. Makoso, il ne défend pas de cause noble ici. C'est un pasteur, un shalom prophétesse. Un pasteur, là, il ne doit pas enfoncer un côté. Je suis clair et je suis concis dans ce que je dis. Je raisonne et je ne raisonne pas comme vous qui venez mettre le faux commentaire. Tu mets un faux commentaire ici encore, je te bloque. Moi, je n'ai pas besoin de vue. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Je suis venu donner conseil à Makoso. Je n'ai pas besoin de vue.